Bonjour à toutes et à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Donc voilà, il y a longtemps que je devais le faire, j'ai dit il faut que je fasse parce que ça s'entasse, donc je le fais. Bon, avant je demande comment vous allez, est-ce que avec la grisaille qui s'installe, enfin tous les... Donc, j'aime bien demander tout le temps en début de vidéo comment vous allez. Voilà. Donc, bien, j'espère. Voilà. On va commencer cette vidéo. Alors, je vais vous faire voir un gel douche de chez le petit Marseillais. Vous devez connaître. Hein. Hydratant et nourri. Alors, extra doux. Alors, oui, à l'orange. D'oranger. Très bon produit, je rachèterai. Oui, mais j'aime bien le petit Marseillais. Donc, c'est pas forcément du make-up, hein, tout est mélangé, hein, c'est abruti de tout. Hein. Alors, Tahiti douche, bois de tropique, bien. Oui, Tahiti, oui, à racheter, j'aime bien. Mon mari aussi, donc il y a pour mon mari aussi. H Perfect, L'Oréal, l'anti-cerne. Alors oui, alors lui, je l'ai recommandé à L'Oréal. Alors moi c'est le 02, le moyen, attendez, je vais mettre mes yeux, hop, alors moi c'est le médium moyen, je sais pas si c'est à l'endroit, alors attendez, hop, voilà, anti-cerne, vraiment avec son embout en mousse, vraiment bien, j'espère que vous voyez bien votre caméra parce qu'il fait pas clair du tout, aujourd'hui il fait très gris, donc voilà, ça recommandé, j'adore. Alors, Botanical French Géranium Éclat, un masque pour les cheveux. Alors moi, je l'applique le soir. Bon, là, mes cheveux, ils touchent à sa shampoing. Je l'applique le soir sur toute ma pointe. Je remonte. Je fais une tresse. Je dors avec. Je fais un shampoing abondamment le lendemain. Shampoing neutre. Et voilà, je ne fais plus de masque après. Je fais avant le soir. Donc, je ne mets pas très cher le masque. Très bon produit que je reprendrai. L'exfoliant tax pour les pieds, mon mari, je vous ai fait voir dans la vidéo, je vous mettrai en haut. Ça a très bien marché, il en est qu'autant. Donc, produit à refaire une autre fois dans l'année. Oui, très très bien. Chez Action. Chez Action, toujours à la jette, parce que bon, à Suze, au bout d'un moment, j'ai racheté très bon produit aussi. Vous la connaissez toutes, hein, voilà. Moi, j'ai fait le dire, chacun ses trucs. J'aime bien. Alors, de chez... le soin élégance, le sérum, bien, pas si nourrissant peut-être en cette saison, c'est terminé, alors il faudrait que je prenne le royal, donc bon produit, ouais franchement bon produit, m'a bien, ce que je reproche un tout petit peu, j'ai le droit de reprocher, son flacon pompe, mais on n'a pas accès, vous voyez quand on dévisse, on n'a pas accès à la fin, et on ne voit pas ce qu'il y a, c'est un seul petit bémol, on ne voit pas la fin, quand est-ce qu'on en est rendu, si on a fini ou pas. Donc c'est dommage pour Tensor, il faudra qu'il revoie ça peut-être sur le côté. Mais autrement, très bon produit chez Tensor. Oui. Voilà, autrement, j'ai bougé, ah, ça coupe, hop, je ne sais pas, voilà. On va y arriver, je vais vous rapprocher. Top, voilà. De chez La Rose Posay, le démaquillant waterproof. Voilà, super. Alors oui, là, j'ai cherché son petit frère, j'ai pas trouvé en biphasé, mais je vais reprendre. J'ai repris chez Kiko, j'y restais. Mais très bon produit de La Rose Posay. Ah oui, super. De chez Roger Gallet, la petite crème à l'amande, crème main et ongles. Oui, ben oui, je rachèterai, bien sûr. Oui, c'est un bon produit, Roger Gallet, on peut pas dire le contraire. Moi, j'aime bien. Et puis, son odeur, comment vous dire? Ouais, non. J'ai pas repris, je sais pas pourquoi, j'ai oublié. Donc, oui, je vais racheter. Voilà. Alors, c'est vraiment dans le désordre. Hein. Alors, T-Force, c'est un spray que j'avais acheté dans les promotions pour mettre sur les boucles une fois terminé. Mais depuis que j'ai changé ma routine cheveux, j'en ai plus besoin. Donc, je ne rachèterai plus. Voilà. Voilà, je vais peut-être vous remettre mieux que ça. Non, ça devrait aller. Bon, on va pas couper, on va voir. Le montage. Un shampoing de chez L'Oréal, L7 Color, vif, shampoing soin. J'ai pas aimé. J'ai fait aller
mon mari l'a vidé, mais pour mes cheveux, ça ne convenait pas. Donc voilà, donc ça, je ne rachèterai pas. Non. Oups. Un gel intime Cadom bio apaisant. Oui, bah oui. On a tous besoin, donc cette marque ou une autre, voilà, moi j'ai rien à dire. Mon produit aussi, de chez Cadom. Mon fameux shampoing Dop, c'est ce que avec quoi je me lave les cheveux tout le temps en ce moment. Très doux, aux vitamines, cheveux normaux, qui dit, c'est sans silicone, donc oui, moi j'aime bien. Alors franchement, Dop en ce moment, je suis Dop à fond, à fond, à fond. À fond les ballons. Je suis pour. Un shampoing de chez Jacques de Change, Jacques de Sange, shampoing déjaunisseur pour cheveux blancs et gris. Mais oui, pour mes cheveux blonds et blancs et blonds et gris devant, vous voyez mes mèches, je le fais une fois par semaine. Très bon shampoing, j'ai racheté. Et oui. Alors, autrement, ça c'est une petite pub de Kenzo, un parfum, c'est tout bien. Mon déo Narta, 48 heures, 48 heures sans se laver, donc racheté. Donc très bon produit, mais oui, je rachète. Hein. J'ai plus de chez Chalivar la crème pour le corps. Alors super, alors elle, avec mon parfum, que dirais-je, ça reprend, oui. Très bon produit. Je prends vraiment dans le désordre. Ça, oui, à racheter pour les fêtes. Si mes enfants voient ma vidéo, je leur demande. Oui, 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 oui. Tout le temps, pardon. Alors, tout le temps pour les cheveux, $1. Alors, avant, j'avais ça, cette crème que je mettais sur les boucles, mais j'avais les cheveux beaucoup plus courts à cette époque-là. Donc, je les mettais, mais ça faisait un petit... Donc, non, je ne rachèterai pas parce que je n'ai plus rien sur mes cheveux. Voilà. Donc, de chez $1, hein, s'il y en a qui veulent. Si c'était à mon salon de coiffure que j'avais acheté ça. Voilà, ça c'est fait. Le parfum Kenzo, pour l'été, je l'adore, je l'aime bien. Il n'est pas fort, je rachèterai. Ouais, franchement, il est très très doux. Super, nickel, nickel. Voilà. Alors, ça c'est quoi? De chez L'Oréal, Lash Perfect, une crème de nuit. Elle fait très bien son job pour le prix, franchement. Oh, je vais vous l'ouvrir pour vous faire voir. Donc, je présente comme ça. Hein. Le pot, il est comme ça, comme ceci. On ne voit pas trop la caméra, la retour caméra. Et puis, ben, l'odeur est bien. Alors, comme je fais Tenzer en ce moment, et puis Tenzer le matin et Fille Essentielle le soir, donc j'ai pas ça, mais très bon produit aussi. Alors, sinon, une crème de jour de chez L'Oréal, H Perfect, tout le temps, renaissance cellulaire, crème de jour, super. Comme je vous ai dit, je fais la routine Tenzer en ce moment, soin élégance, mais celui-là, oui, je rachèterai, et il était très bien aussi. Autrement, un fond de teint, une bébé crème de chez Nuxe, je rachèterai pas. Moi, ne me convient pas. Donc, le début, ça allait, mais après, elle n'allait pas. Est-ce que c'est moi? Autrement, non, je sais pas. Moi, je ne rachèterai pas. Donc, voilà. Voilà, un petit... Je ne sais pas pourquoi, en espace de 2 mois, est-ce que c'est le début de mon opération qui a fait ça ou quoi? J'en sais rien. Donc, ça, non, je ne rachèterai pas. Non. Alors, Ultra Boost, vous savez, on avait fait avec la Team Beauté majuscule, l'Ultra Boost, Vitalité 4G, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais concernant mon cœur, il a fallu que je voulais reprendre, mon cardiologue m'a interdit. Donc voilà, par contre, c'est un très bon booster, je tiens à le dire, bon produit. Alors franchement, super, hein. Là, super. Voilà. Un masque de chez Clarins, SOS Hydra, très bon, très bien, frais et tout, non, un produit à racheter de chez Clarins aussi, voilà. J'avais un anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, je suis, vous voyez, comme ceci, alors attendez, je vais vous faire voir, je vais vous dire le, alors Yves Saint Laurent, c'était le numéro... Écoutez donc, je ne vois pas. Donc voilà,
Je suis moins fan. Plus cher, ma fan. Bon, elle m'a fait longtemps. Pour l'instant, je garde L'Oréal. Ça, non. Je préfère L'Oréal. Je préfère le dire. Oui, non. De chez Deux Sanges, Nutri Extrême Richesse. Après, vous savez, vous faites votre shampoing, vous sortez la douche, vous mettez ça sur vos cheveux encore mouillés. Je le faisais un moment, je ne l'ai plus fait depuis un mois, mais je compte en refaire parce que c'était un très bon produit aussi. Donc voilà. Oui, très bien, le change. Alors, hop là, je vais peut-être vous reculer. Voilà, autrement, le parfum Chalimar qui va avec... Parfum Chalimar, ben oui, il est déjà racheté, ça, l'incontournable, c'est mon parfum préféré. Je pense que vous commencez à le savoir. Je ne peux pas lutter contre Chalimar. Chalimar, et j'aime bien Opium aussi. H Perfect, la crème de jour... je n'ai pas reprise en ce moment, on est pas, mais elle est super aussi de chez L'Oréal. Très bon produit. Franchement, non, bien. Hein? Pour l'instant, je teste d'autres produits, donc voilà. De chez Deux Sanges, j'ai encore un soin, un masque multi-richesse. Lily, elle disait qu'à l'époque, l'odeur, moi, je ne gêne pas. Donc moi, j'applique la nuit, comme je dis tout le temps, la nuit, et je fais mon shampoing le lendemain. Donc voilà, ce produit, oui, je rachète, parce qu'il me le faut dans ma gamme, parce que pour laver les cheveux. Alors, ça, c'était de chez Maximour Action, je ne reprendrai pas, un anti-cerne, je le dis franchement. Hein. Comme dirait Miss Gazette, ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc voilà, un anti-cerne, non, franchement, il ne m'a pas duré 8 jours, et puis il n'a pas fait un stop. Je pensais qu'il aurait été bien, mais les filles, pour moi, mettaient un tout petit peu plus cher. J'ai gardé son petit frère, lui, je préfère. Voilà. Donc ça, non, je pense que c'était fort. Hop, ça c'est fait. Maybelline, un mascara, oui, bien. Celui-là, oui. Vous savez, moi, les mascaras... Alors attendez, je n'ai plus la brosse. Ah oui, c'est vrai. Je ne me rappelais plus de sa brosse. Ouais, elle était très très bien. Bon produit, je rachèterai. Oui, oui. Hop. Ça va durer 4 mois, ma vidéo, là. De chez Cartier, j'avais eu une petite crème. Alors, de jour nourrissante, franchement, je l'ai pas utilisé longtemps. Enfin, j'ai gardé pour 2 jours. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa texture. J'ai bien envie de tester. Alors ça, je disais quoi? C'était un petit truc de chez Kenzo, un petit parfum. Notre parfum. Un autre mascara aussi, de chez Maybelline. Alors moi, le mascara, il m'en fout, hein. Alors, j'aime bien aussi. J'ai bien aimé. Donc, voilà, c'est terminé. Je rachèterai. Oui, je rachèterai. Ça, c'est pas des produits terminés. Bah, une bougie pour les toilettes de chez Action. Elle est dedans. Donc, je vous la fais voir. Je rachète tout le temps. Une par mois. J'avais testé aussi ça, ça va là. Mon mari avait reçu, j'avais fait un concours avec Magali The Mousse. Voilà, ce petit mot. Bronze Express, mon mari l'a fait, ça l'a aidé à aller au soleil parce qu'il a une peau très très blanche, il n'est pas comme moi. Il a pu avoir des coups de soleil et sans être gêné. Donc merci Magali pour cette belle découverte parce qu'il rachèterait pour préparer l'été prochain. Franchement, voilà, de chez Forte Pharma, je ne sais pas pourquoi j'ai Pharma, Pharma, Bronze, alors franchement, Bronze Express. À prendre avant, oui, il a dit que ça l'a bien aidé à reprendre. Et voilà, c'est vide. Mon petit sachet est vide. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura. Je vous remercie. Elle a été longue. Voilà. Mais bon, les produits terminés, c'est pas évident. Je ne pouvais pas vous montrer des palettes ou quoi que ce soit de rouge à lèvres, parce qu'on les finit pas comme ça. Donc, voilà cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, c'est gratuit. Actionnez la petite cloche. Je remercie tous les nouveaux et mes abonnés et voilà, c'est une belle chose. Je vous souhaite de préparer Noël parce que c'est Noël qui arrive et la prochaine vidéo, je vous ferai peut-être une vidéo sur le make-up pour sortir le soir parce qu'on me l'a demandé, je me dis pourquoi pas. Voilà, je ferai en conséquence. Ça dépend de mon humeur pour ce que je vais faire comme vidéo. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien et à très bientôt. Bisous, bisous.